Eh ben c'est bien tout ça. Tu veux pas dire une connerie, Ken? Ouais, Antoine, je veux bien plus de ma voix dans le retour, s'il te plaît. Ah non, non. Ah non. It's Simona. Hey. Goddamn motherfucker. Simona. I only drink blood. Allez, le prochain morceau s'appelle 60 mètres carrés, c'est sur le premier EP des rasoirs électriques. Ouais. Ouais, copain, un Mohamed, un bois. Celle que j'aime, celle qui a de la chance, ouais.
Les chats des cigales, c'est la chaleur. Ouais. Alors ça c'est on a pas de Québécois chez nous. Bon allez. Du bandon. Oh putain, le prochain morceau c'est un morceau ça s'appelle Les Cons et c'est hyper cool. Il y a une intro un peu ambiance rodéo Texas, tout ça, ça va vous faire rêver. D'ailleurs c'est complètement énorme, c'est incroyable. Don't make us hide,
Qui était programmé. Merci, c'est cool d'être venu quand même, d'avoir répondu à l'invitation quoi. Ouais, on sait que vous attendez tous Guérilla Poubelle en fait. Ah vas-y, c'est bon, tu sais. Ah j'en ai vu d'autres, tu sais. À quoi ça sert, on est tous morts, mes couilles, oui. Ouais, je te le fais demain, il pleut, hein, si tu veux. Vas-y, fais voir. Avec Ken qui chante. Allez, moi je chante. Non, bon, ça va. Oh. Eh, le mec, il a mis des espadrilles aujourd'hui, il a changé de chaussures pour vous, alors restez cool. C'est un effort énorme. Eh, tu prends le malin, il y a deux tirs de l'eptique ficus là, mon gars. C'est dommage, peur, j'aurais au moins essayé. Mais c'est une phrase dans cette histoire du peuple français. Je reste attaché à l'idée que je m'en faisais. Rien à foutre, rien à voir avec du nationalisme. Je pensais que ça vienne du cœur. J'en ai marre de tous ces groupes fascistes qui m'avaient peur. Amertume et mon éclat. Tu es être américain, t'es mon échec de réplique. Pourtant, il gagne à tout. La musique jusqu'à mes plans, j'ai rapide, jusqu'à moyen de faire place. Un monde établi, j'ai renoncé à chanter en anglais. N'a la foule, n'a la voix, avec du nationalisme. Qui pensait que ça vient du cœur? J'en ai marre de tous ces groupes fascistes qui vivent avec leur amertume. Qui vivent avec leur amertume. Qui vivent avec leur amertume. Et mon de boulot par semaine, voire un peu plus. Avise à la SNCF. Ils me refusent de contrôler, ils n'en pleurent les voyageurs. Ils n'égagent pas qu'un air, les bras vont pousser leurs erreurs. J'ai l'impression que leur négociation
négociations sont sans cesse vouées à l'échec. Gardien du dernier bastion quand les banquiers n'en manquent à leur tête. Combien de personnes travaillent à la SNCF ici? Ouais! Ah, il y en a une. Non, il y a un mec dans mon immeuble tous les soirs à 23h, il fait Allez, t'es dans l'air! Mais je pense qu'il a le syndrome, genre la tourette, hein, comme ça. C'est très peur. Précis, 23h quand même. Tout le temps. Ouais, mais probablement vous en avez rien à foutre. Et je vous comprends aussi. Là, j'ai une voisine qui tape contre les murs. Et des fois elle fait. Je comprends pas, elle va se faire mal. Oh. Et ça va, on t'emmerde. Attends, y'en a qui sont énervés, il faut qu'on joue vite. Dani attend, Dani attend.
Wesh gros. Ah, vous kiffez le hardcore ici à Paris? Ouais. Parce que hier on a joué à Angoulême, ils kiffent grave le hardcore à Angoulême. Je sais pas s'il y en a qui ont des parents à Angoulême. Donc ça c'est un morceau vénère. Ah, si vous voulez faire un circle beat. Ah, j'étais en train de parler, vas-y. Donc vas-y, on refait, nickel. Donc si vous voulez faire un circle pit autour du poteau, ce serait... Enfin, en Angoulême, en tout cas, ils ont fait un circle pit autour du centre-ville. Hein. Alors faites gaffe. Pas sur le CD non plus. C'est pas comme si on faisait pas à tous les concerts, les gars, quoi. Et à un moment, le public n'est pas con, ils savent que ce genre de choses, c'est complètement préparé. Comme quand Ken imite un mec japonais. Tu vois, tout ça, c'est préparé, c'est les trucs. Voilà, la blague des sandales, etc. En tout cas, ça me permet de boire un coup, là, cette pause, c'est cool. C'est un peu comme dans un film. Ouais, c'est cool, ça va toujours. Et il nous reste 3-4 morceaux, et après, on arrête de vous casser les couilles, ok? On rentre en Mongol. On va bouffer des beignets au bord de la plage. Quoi, vous aimez pas les beignets? Bah tu vas fermer ta gueule, putain de merde! Allez. Non, parce qu'on est venu voir Guérilla, gueule. Eh mec, laissez-nous travailler, monsieur, nous sommes 10... en week-end avant vous, monsieur, alors nous avons le droit de nous abuser. 10... C'est 10 euros la place? Ah, mon diba. Ah, c'est du vol caractérisé? Mais ah, le prochain morceau s'appelle... Entre David Guetta et Uncle Ben. Ah c'est bon, je me souviens des notes maintenant. Salut ma radio. Entre David Guetta et Uncle Ben, y a un mytho qui nous fait croire qu'il est pété. On dirait que le seul moyen pour se mettre
Allez, on a presque fini. Le prochain morceau, c'est un morceau qui parle de virer son patron. Un truc assez dur à faire. Mais si vous y arrivez, ça peut être cool. S'il y avait des nanas dans la boîte, ça serait normal. S'il y avait des clients à l'usine, ça serait pas mal. Avec tous les écrans plasma qui marchent pas, quand le fait de m'augmenter, je peux plus avoir à écouter. T'as vu notre vie de l'irrespon. S'il y en a qui vont virer, si c'est bien toi, si tu n'étais pas le patron. T'as fait une table pour manger, ça serait sympa. S'il y avait une machine à café, ça serait pas cool. Tu lâches un pour nous mettre la pression. T'as pris le rythme pour ma main dans la queue, afin de pouvoir me virer sans te chier avec l'indemnité. Tu préfères mettre la vie sous la peur plutôt que d'écouter ça. Merci à tous d'être venus pour notre soirée.